Yep. Yes, are you ready? Can we start? Good. Good morning. Welcome. Welcome, all of you. Today we are. Bonsoir, bonsoir. Yeah, please. Thank you so much. Bienvenue Thank you so much, friends, for your time. Today we will present a great opportunity again with you. Alors, bienvenue à tout le monde et merci pour votre temps. Donc aujourd'hui, nous allons présenter une très bonne opportunité pour vous. First of all, we will presentation, and after that we will show you how can you will earn, how can you will promote, how can you will create maximum team with some small efforts. Yeah. Donc, nous allons vous présenter le business. Comment vous pouvez gagner avec cette opportunité-là? Comment vous pouvez partager l'information? Comment vous pouvez créer des tools, des outils pour pouvoir partager cette information et gagner de l'argent avec. First of all, Mr. Carlos, you can share presentation. After that, we will discuss with Ok, good. all partners, please. Ok. Donc, nous allons faire premièrement la présentation en français, la présentation de l'opportunité, et après, nous allons passer à la formation. Voilà, comment pouvoir recruter des personnes, comment partager l'information pour que des personnes puissent rejoindre l'opportunité aussi. Voilà. Donc, bon. Nous sommes juste 11 personnes. J'espère qu'il y aura toujours, il y a des retardataires qui vont nous suivre après. Donc, nous allons débuter avec la présentation de l'opportunité. Et ça va prendre juste une vingtaine de minutes. Et après, nous allons passer à la formation. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Si vous voyez mon écran, vous pouvez le mettre dans le chat. Alors, vous pouvez écrire dans le chat si vous voyez mon écran.
D'accord, ça marche. OK. Donc, nous allons y aller. Bienvenue à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. D'abord, je me nomme Charlemagne Konou. Je suis économiste de formation et puis web entrepreneur. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une opportunité d'affaires. Et cette opportunité-là va prendre. OK, c'est bon. Tout le monde voit l'écran. D'accord. Donc, nous allons vous présenter une opportunité d'affaires. Et le nom de la compagnie, c'est MLM Center. Comme vous le voyez bien, MLM qui veut dire marketing relationnel. Et puis, Center qui veut dire centre. Voilà. Donc, nous sommes dans un centre où nous faisons du MLM. Voilà. Donc, nous n'allons pas beaucoup parler. Nous allons aller un peu plus vite parce que la formation est plus importante. Et bon, pour tous ceux qui sont nouveaux, nous allons essayer de pouvoir vous donner toutes les informations quand même. Voilà. Donc, avant de passer à l'essentiel, nous allons vous poser quelques questions. D'abord, la première question, c'est de savoir si vous avez des rêves dans la vie. Voilà. Donc, si c'est bien faux, vous pouvez voir qu'il y a un couple sur un yacht, voilà, sous la mer. Donc, ce qui signifie en fait de prendre du bon temps avec vos proches et pourquoi pas voyager. Donc, est-ce que vous avez des rêves de voyage? Est-ce que vous avez des rêves de pouvoir avoir un appartement, un bon appartement pour vous, pour vos proches, un toit pour votre famille et pourquoi pas si vous aimez investir dans l'immobilier? Voilà, parce que ça rapporte aussi beaucoup. Est-ce que vous avez des rêves de voiture? Est-ce que vous aimez des bolides? Voilà, avoir de grandes voitures, des Mercedes, des Lamborghini, à vous faire des collections. Est-ce que vous rêvez de ça? Est-ce que vous rêvez de pouvoir avoir une maison en bordure de mer, pourquoi pas à la campagne, avoir de l'air frais, voilà, et respirer de l'air frais, éviter tout ce qui est les pollutions avec les voitures, les gaz d'échappement et autres. Donc, ici à MLM Center, nous allons vous aider en fait à réaliser ces rêves-là. Donc, qu'est-ce qu'un MLM Center? MLM Center, en fait, répond à tous les critères spécifiques qui vous aident à grandir dans la vie et garantir un soutien fiable à chaque participant. Donc, notre mission est de faire de chaque nouveau membre une partie de l'entreprise et de l'aider à réussir. Pour cela, MLM Center adopte une stratégie financière efficace et compréhensive, ainsi que la transparence et la rapidité des paiements. Donc, la direction de l'entreprise a une bonne expérience dans ce secteur et ils sont bien conscients des besoins de leurs partenaires qui travaillent à la base et ils sont engagés. Donc, pour ceux qui le veulent, vous pouvez faire une capture d'écran et après, je peux balancer dans le groupe. Bon, tous ceux qui sont dans le groupe, le MLM Center sur Telegram, vous pouvez avoir quand même les documents de la compagnie. Donc, je vous rappelle que c'est une compagnie russe qui est légalement enregistré au niveau de Hong Kong, une compagnie russe parce que le CEO lui-même, il est russe, il s'appelle Monsieur Vladimir Maximovitch. Il a plus de 10 ans d'expérience dans la technique, dans la technologie, pardon, de l'information et dans la technologie de la blockchain. Voilà, nous savons que c'est les cryptos qui sont en vogue actuellement. Donc, c'était l'ancien directeur technique de Cyrus, pour ceux qui connaissent cette compagnie-là. Donc, il a plus de 5 ans d'expérience, il a 5 ans d'expérience, pardon, dans la gestion de développement informatique. Donc, tout ce qui est création de sites web, développement d'applications, création de chatbots, il sait le faire, ou disons, il le fait. Maintenant, aujourd'hui, il s'intéresse en fait au marketing relationnel. Et la chose la plus importante est qu'il peut tout contrôler dans le projet parce qu'il a commencé son chemin en tant que junior et jusqu'à devenir directeur technique. Donc, tout ce qui est côté technique, côté plan marketing au niveau du marketing relationnel, il maîtrise tout ça là. Voilà. Pour la formation des partenaires, MLM Center a sélectionné la meilleure plateforme d'éducation au monde en matière de marketing de réseau. Il s'agit du système éducatif Learning Brains. Donc, c'est une plateforme d'éducation qui fonctionne à l'échelle mondiale depuis 2015. Et il sert plus de 50 projets et aide directement plus de 1200 personnes à réaliser leurs rêves et font d'eux, ce qui font d'eux en fait des plateformes d'éducation réussies. Donc, pour toutes les personnes nouvelles et anciennes qui réalisent leurs rêves grâce au marketing relationnel, nous sommes là, du Learning Brains, pour donner des informations complètes, la bonne méthode
et des techniques efficaces et un soutien dans cette belle industrie. Voilà. Donc, ce sont eux qui font les Zooms, qui organisent les Zooms de la plateforme. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir débuter avec la première formation en question de marketing relationnel. Alors, pour démarrer, c'est simple. Il suffit juste d'avoir un email. Oui, tout le monde a quand même un email. Et puis, de pouvoir demander un lien à votre parrain, c'est-à-dire la personne qui vous a invité sur ce Zoom, ou si vous êtes déjà membre, bon, bienvenue à tous. Voilà. Donc, vous avez le lien et après, vous allez vous inscrire. Donc, vous cliquez sur le lien, vous défilez vers le bas, vous cliquez sur rejoindre, et là, vous aurez à mettre votre email et puis un pseudo. Voilà. Donc, vous aurez un message de confirmation dans votre email et avec votre mot de passe. Donc, il suffit juste de cliquer sur le lien de confirmation et votre compte sera actif. Parce que si vous ne cliquez pas sur le lien, le compte ne sera pas actif et le lien ne dure que 7 jours. Donc, quand les 7 jours vont passer, vous devez en fait vous réinscrire. Donc, après l'inscription, vous pouvez investir de l'argent qu'il faut, puis inviter seulement deux partenaires à faire de même. Donc, c'est tout ce qu'il faut, vous devez faire. Alors, je rappelle que nous sommes dans un financement participatif et couplé au marketing relationnel. Donc, le produit que nous vendons ici, ce sont des algorithmes de placement et nous vendons aussi le financement participatif. Donc, nous savons, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le financement participatif, ils peuvent faire un peu de recherche. Voilà. Donc, en résumé, je peux vous dire que le financement participatif, pardon, c'est un financement de la foule. Voilà. Et ce financement-là, à MLM Center, nous utilisons le don comme financement de la foule. Voilà. Donc, si vous avez par exemple un projet et que vous n'avez pas assez d'argent pour aller à la banque, vous n'avez pas de garantie pour pouvoir financer vos projets, venez à MLM Center. Nous allons vous aider à pouvoir, nous allons vous aider à travailler ensemble et vous pouvez avoir ainsi le financement nécessaire que vous voulez pour autofinancer votre projet. Voilà. Donc, ici, à MLM Center, nous avons deux grandes matrices, deux grands algorithmes, pardon, l'algorithme étudiant ou l'algorithme student et puis l'algorithme mentor. Donc, nous allons aller un peu plus vite. Après, nous allons aller sur le simulateur pour voir comment ça fonctionne réellement. Donc, l'algorithme student, comment ça fonctionne? Nous sommes quand même dans un plan où nous utilisons les cercles et matrices. Pour ceux qui connaissent un peu, ont des notions sur le marketing relationnel. Voilà, le plan d'affaires ou le plan marketing que nous utilisons, ce sont les cercles et matrices. Voilà. Donc, quand vous inscrivez, vous êtes au milieu de la matrice, vous êtes au niveau de Y. Et cette matrice-là, c'est une matrice de 1-1. C'est-à-dire que deux personnes en direct sur vous et une personne sur le premier et une autre personne sur le deuxième. Donc, 2-1-1. Voilà. Donc, quand vous inscrivez avec Y, comme on l'avait dit, il faut parrainer deux personnes. Disons au minimum deux personnes parce que vous pouvez encore parrainer plus. Donc, ici, nous prenons le cas de deux personnes. Vous avez A, vous avez B, vous avez C et vous avez D. Voilà. Donc, A va parrainer C et puis B va parrainer D. Donc, sur votre matrice, il y a quatre personnes. Voilà. Donc, quand il y aura quatre personnes comme ça, vous aurez un gain. Voilà. Vous aurez un gain à faire un retrait et puis un réinvestissement. Voilà. Donc, le réinvestissement va se faire en fait sous votre filleul. Voilà. Donc, ici, par exemple, votre filleul, c'est A. Donc, le réinvestissement que vous allez faire va se positionner sous A. Donc, A aussi aura sa matrice. Et puis, A a quand même déjà C. A a C. Un instant. Donc, A a déjà C. Voilà. Et puis, vous venez aider A à pouvoir aussi valider plus vite sa matrice. Donc, vu que A a déjà C et puis vous, il reste juste deux personnes à pouvoir avoir pour compléter sa matrice. Donc, C aussi aura la même chose. C'est 1, ici c'est C1. Voilà, C1 va se trouver à sa première place. Donc, quand A va terminer sa matrice, il va aller aider C à pouvoir aussi valider sa matrice pour avoir un plus vite son gain. Voilà. Donc, au niveau de B, c'est la même chose. B a déjà 2 ici. Pardon, D ici. Donc, il faut juste encore deux personnes parce que D aussi va faire la même chose.
D va parler B1. Donc, B, il faut B1 et B2. Ou soit B1 qui va faire B2 et lui, elle aussi va valider sa matrice. Ainsi de suite. Voilà. Donc, en résumé, retenez que l'algorithme student permet en fait de faire le réinvestissement sous le IE. Voilà. Donc, vous pouvez évoluer en termes de arbre généalogique. Ici, c'est le binaire. Voilà. Donc, vous restez là, vous avez deux personnes. Donc, A va faire C, B va faire D. Quand vous allez cycler, vous allez être en réinvestissement sur A, ainsi de suite. Voilà. Donc, le deuxième algorithme, c'est l'algorithme. Pardon. Le deuxième algorithme, c'est l'algorithme montant. Et ici, nous allons évoluer de façon que le réinvestissement va se faire en fait chez le parrain. Voilà. Donc, ici, vous êtes au milieu de la matrice Y. Donc, vous avez A, B, C et D. Donc, quand il y a quatre personnes sur votre matrice, de même que sur l'algorithme student, quand il y aura quatre personnes, vous aurez à faire un retrait plus un réinvestissement. Voilà. Donc, ici, au lieu que le réinvestissement se fasse sous A, le réinvestissement va se faire sous votre mentor. Ici, c'est M, votre mentor, c'est-à-dire votre parrain. Voilà. Donc, votre parrain aura à avoir votre réinvestissement. Donc, quand A aussi va terminer, A va se positionner à la troisième place plutôt de votre mentor, mais A sera à votre première place. Donc, cette matrice-là va se répéter de manière indéfinie. Donc, il y aura quatre personnes, ces quatre A, B, C, D, de manière indéfinie, quand ils aussi vont cycler leur matrice. Donc, ici, c'est l'arbre généalogique aussi au niveau de l'algorithme mentor. Voilà. Donc, on fonctionne aussi en binaire. Et ici, vous allez voir que Y est en lien avec le réinvestissement de I. Or, on avait dit qu'au niveau du mentor, le réinvestissement se fait sur le parrain. Donc, vous allez comprendre dans un instant. Je vais aller sur le simulateur et vous allez voir un peu comment ça fonctionne. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Si oui, vous pouvez le mettre dans le chat ou envoyer, appuyer votre micro et parler. Vous voyez toujours mon écran? Ok, d'accord, ça marche. D'accord. Donc, nous allons faire d'abord la simulation sur l'algorithme mentor, pardon, l'algorithme student. Voilà, vous êtes ici. Vous, je mets vous. D'accord. Donc, je mets vous, vous êtes au milieu de la matrice. Quand vous investissez, ici, disons que l'investissement minimum, c'est 10 dollars. Voilà. Donc, maintenant, ça va dépendre du niveau à laquelle vous vous situez à la matrice. Voilà. Donc, l'investissement minimum, c'est 10 dollars. Vous avez investi 10 dollars, vous êtes au milieu de la matrice. Vous investissez, par exemple, le compte numéro 1. Le compte numéro 1 va apparaître à votre gauche. Voilà, à la première place à votre gauche. Vous invitez le compte numéro 2. Le compte numéro 2 va se positionner à votre droite. À votre droite, voilà. À la deuxième place à votre droite. Donc, retenez quand même le positionnement, parce que le positionnement est le même pour toutes les matrices. Donc, 1, 2, voilà. Donc, le compte 3, par exemple, va être invité par le compte 1. Donc, il sera ici à la troisième place. Voici la troisième place. Et puis, le compte 4 va être invité par le compte 2. Voilà, nous sommes à la quatrième place ici. Donc, vous allez voir que votre matrice est remplie. La première place est ici, la deuxième, la troisième et la quatrième place. Voilà, donc, voici le positionnement des personnes sur votre matrice. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, quand vous avez quatre personnes sur la matrice, vous avez un retrait à faire. Bon, disons que vous avez un gain. Et dans ce gain-là, vous avez un retrait à faire et un réinvestissement. Donc, quand vous faites le retrait, le réinvestissement, en fait, va se passer sous votre premier filleul. Voilà. Donc, le réinvestissement se fait à droite, à la deuxième place de votre premier filleul. Voilà. Donc, votre premier filleul aussi va faire la même chose. Il a déjà 3, et puis vous. Donc, il va inviter, la personne 3 va inviter la personne 5. Voilà. Donc, ici en bas, vous pouvez voir l'arbre matriciel. Mais je rappelle que l'arbre matriciel n'est disponible que sur PC.
Sur téléphone, vous ne pouvez pas voir la matrice. Il faut se connecter sur PC. Donc, la personne, le compte numéro 1 a déjà 3 personnes. Donc, il lui reste une personne. En disant que le compte 6 va apparaître. Le compte 6 va être invité par le compte 1. Voilà. Donc, vous allez voir ici, le compte 1 aussi va cycler parce que le compte 6 va se positionner à la quatrième place, compte 1. Donc, le compte 1 va cycler. Voilà. Et elle va aller en réinvestissement sous le compte numéro 3. Donc, voilà. Donc, le compte 2 aussi va faire la même chose. Ici, il a déjà une personne, le compte 4. Voilà, ici. Il a le compte 4 ici. Voilà, c'est là. Donc, le compte va parrainer le compte 7. Le compte 2 va parrainer le compte 7. Voilà, le compte 2 va parrainer le compte 7. Le compte A4, le compte 4, pardon, va parrainer le compte 8. Et puis le compte 7 va parrainer le compte 9. Voilà. Donc, sur l'arbre généalogique, vous allez voir que le compte 2 aura aussi à cycler parce qu'il a 4 personnes et il va aller en débordement sur son premier filleul qui est le compte 4. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne en fait le système Student. Donc, vous allez voir que c'est une première dans le système de financement participatif parce que tous les business qu'on a fait avant, qui sont en fait des financements participatifs, vous allez voir que quand on va faire le réinvestissement va aller plutôt chez le parrain. Le réinvestissement va aller en arrière. Voilà. Donc, voici le premier système que MLM Center avait, le premier algorithme que MLM Center avait mis sur pied. Et il y a certains leaders qui ont trouvé que ce système va peut-être rendre certains filleuls paresseux. Parce que comme c'est un peu comme une poule, où quand vous cyclez, vous allez aider une personne à pouvoir évoluer aussi. Ce qui est en fait vraiment ce qu'on appelle le financement participatif. Parce que quand on parle de financement participatif, on parle de financement par la foule. Et quand la foule finance, on finance d'abord une personne. Et après, s'il y a un autre projet, on cotise encore pour financer une autre personne, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ce que MLM Center veut faire, en fait, pour révolutionner dans le domaine du financement participatif avec le MLM. Mais certains leaders ont trouvé que ce n'était pas une bonne idée pour eux, parce que, bon, ils voient que comme c'est couplé avec le marketing relationnel, et que le marketing relationnel, c'est ce qu'on appelle la liaison, ou bien, ouais, disons, la liaison entre le filleul et le parrain, comme c'est nous qui parrainons des personnes qui aussi vont faire leur activité, c'est à nous, en fait, de pouvoir, c'est aux parrains de pouvoir avoir les commissions. Donc, le CEO a dit, il n'y a pas de souci. Vu que vous voulez ce système-là, le système classique, si je veux l'appeler comme ça, je vais faire le système monteur pour vous et que vous pouvez aller sur le système classique. Voilà. Donc, le système monteur, c'est un système classique où, en fait, les réinvestissements vont se faire chez le parrain. Mais ce qu'on constate, c'est que dans les autres systèmes classiques, la personne qui est la première personne, les CEO, en fait, sont les personnes à pouvoir encaisser tout. Et ils n'ont pas de réinvestissement, ils ne font pas de réinvestissement parce que c'est eux les premiers, quoi. Voilà. Donc, ici, MLM Center, le CEO de MLM Center se dit, vu que je veux aider tout le monde à réussir, il me faut pouvoir moi-même fonctionner en tant qu'algorithme student. Pourquoi? Parce que si moi-même je garde tout, je perds en fait la notoriété du système, je perds en fait mon projet. Voilà. Si certains veulent agir comme le système classique, il n'y a pas de souci. Et moi, j'irai aider en fait toutes les personnes qui vont venir. Voilà. Donc, il s'est dit, je vais faire l'algorithme student mentor, mais moi, mon compte va évoluer comme l'algorithme student. Voilà. Donc, moi, quand je vais cycler, au lieu de tout garder, je vais pouvoir aller en réinvestissement sur des personnes qui n'arrivent pas à évoluer dans le système. Voilà. Donc, c'est une première dans le système de financement participatif. Parce que moi, tous les business que j'ai fait, j'ai eu à faire, j'ai jamais vu ça. Voilà. Un par un, le CEO, ou disons le grand parrain, le top numéro un, qui se dit, lui, il va aller aider, en fait, les autres à réussir aussi. Voilà. Donc, vous allez voir la simulation. Nous sommes toujours dans l'algorithme mentor. Le compte route, voilà, le compte du parrain et le compte du CEO.
Le compte route parraine, le compte numéro 1, voilà. Et le compte route parraine, le compte numéro 2. Voilà. 1, 2, toujours les mêmes positions. Le compte numéro 1, le compte numéro 2. Donc le compte numéro 1 va parrainer le compte numéro 3. Créer. Voilà, le compte numéro 3 va apparaître ici. Et puis le compte numéro 2 va parrainer le compte numéro 4. Voilà, le compte numéro 4 est là. Donc ici, le route a cyclé, le CIO a cyclé sa matrice, mais au lieu de garder tout le montant, il va aller en débordement sous son premier filtre ici. Voilà, vous allez voir le compte route aller en débordement ici. Voilà. Donc, sur le lab matriciel, vous pouvez le voir toujours là. Désolé. Voilà, vous cliquez juste sur le point 2. Voilà. Donc, 3, 4, et puis le compte route va en réinvestissement sur le compte numéro 1. Maintenant, nous allons voir sur le compte numéro 1. Le compte numéro 1, déjà le compte 3, et puis le compte route. Donc, le compte numéro 1 va parrainer le compte numéro 4. Bon, disons, le compte numéro 3 va parrainer le compte numéro 4. Voilà. Donc, le compte numéro 4 va se positionner. Ah, pardon, désolé. Pardon, le compte numéro 5 plutôt. Voilà, c'est pas 3. Voilà. Le compte numéro 5 va se positionner sous le compte numéro 3. Et maintenant, le compte numéro 1 va parrainer le compte numéro 6. Voilà. Donc, vous allez voir ici que le compte numéro a cyclé, mais lui, il n'ira pas en réinvestissement sous son filleul. Il ira plutôt en réinvestissement sous son parrain, qui est en fait le compte route. Donc, vous allez voir que sous le compte route, voilà, le compte 1 est venu se positionner ici. Voilà. Donc, sur l'arbre généalogique, vous pouvez le voir toujours. Mentor. Voilà, le compte numéro 1 est là. Le compte numéro 2. Voilà. Et le compte numéro 1, il vient se positionner sous le compte route. Donc, le compte numéro 2 va faire la même chose. Il y a déjà 4. Donc, 2 va faire 7. Voilà. 2 va parrainer 7. Voilà. 7 va se positionner à la deuxième place ici. Donc, 4 va faire 8. Voilà, 4 va faire 8. Voilà. Et puis 7 va faire 9. Voilà. Donc vous allez voir ici que le compte 2 aussi va cycler. Il a déjà ses 4 personnes. Et il va aller sous son parrain qui est en fait le compte route. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, les places, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, le compte route, le compte 2 va se positionner sous le compte route. Mais vu qu'il y a une première personne déjà sous le compte route, le compte 2 va se positionner à la troisième place du compte route, ce qui va permettre au compte 6 de pouvoir avoir un débordement. Voilà. Donc, non seulement le compte route, le compte du CEO vous permet de pouvoir vite avancer, mais le compte route vous permet aussi d'avoir des débordements de vous, vos parrains. Voilà, des personnes qui sont en haut de vous pour vous permettre aussi à vite cycler et à vite avoir vos gains pour pouvoir réaliser vos projets. Voilà. Donc, nous allons faire enfin une simulation. Le compte route ici, il a déjà 3 personnes. Donc, disons que le compte 1 va parrainer encore le compte 10. Voilà, le compte 1 va parrainer le compte 10. Et vous allez voir que ici, ce qui va se passer sur le compte route, voilà, le compte route, le nouveau compte route, voilà, il y a 2, il y a 6. Vous allez voir que le compte route ne s'est pas positionné sous cette ligne ici. Voilà, ni sous 1, ni sous 2. Mais le compte route va aller se positionner sous le compte 3. Pourquoi? Parce que c'est le compte 3 qui est en fait dans tout un cycle-là. C'est le compte 3 qui a juste un filleul. Parce que le compte 4 a déjà un, le compte 7 a déjà un. Et c'est le compte 3 qui est en fait l'un des premiers à s'inscrire, mais qui n'arrive pas à évoluer. Donc, le compte route va aller l'aider pour qu'il puisse aussi avoir juste
S'il y a déjà deux personnes, voilà, il a une personne, donc on route vers les deux pour avoir une seconde personne. Et là, il manque juste deux personnes à pouvoir citer aussi. Donc, le compte route l'aide à pouvoir valider sa matrice un peu plus vite. Donc, voilà, en fait, les nouveautés que nous avons ici sur MM7 et qui n'a pas dans les autres systèmes de financement participatif. Voilà. Et je rappelle que ici, nous ne sommes pas dans un système Ponzi où c'est seulement les premières personnes qui vont évoluer. Ici, vous allez voir un peu, je vais vous faire un peu une petite démonstration. Ça, c'est le compte du CEO. Voilà, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Ça, c'est le compte du CEO. Vous allez voir que ici, voilà le compte du CEO. Et il est allé, ici, il s'est positionné le 18 septembre. Mais vous allez voir que il s'est positionné en fait sous son filleul. Ce n'est même pas son filleul direct. Mais vous allez voir ici, c'est Queen of Hearts, non? Voilà. Et Queen of Hearts, son filleul et son parrain direct, en fait, c'est Lionel Brinks. Vous voyez? Donc, il s'est allé poser sous un sous-filleul pour pouvoir l'aider à évoluer. Voilà. Donc, si ça, c'est sur l'algorithme, pardon, c'est sur l'algorithme student. Hein. Si nous allons sur l'algorithme mentor, par exemple, vous allez voir que, un instant, ici, moi, mon deuxième passage, non, c'est pas ça, un instant, voilà. Un instant, c'est la Terra plutôt. Voilà, la Terra. Bon, je vais aller sur le compte du CEO, c'est plus facile là-bas. Voilà, la Terra sur le mentor. Vous allez voir que le compte du CEO, voilà ici, il a cyclé le 25 octobre 2022. Voilà son compte. Il a cyclé le 21, le 25 octobre 2022, mais il s'est positionné sous moi, mon filleul. Voilà mon filleul ici, qui est à ma. Ça, c'est mon filleul direct. Et voilà mon filleul indirect à ma troisième génération. Voilà. Donc, le CEO est venu se poser sous mon filleul direct parce qu'elle n'arrivait pas à avancer. Et aide ensuite mon filleul indirect de la troisième génération à pouvoir avoir un débordement aussi. Voilà. Donc, voilà une nouveauté qui n'est pas dans les autres systèmes. On a déjà fait, pour ceux qui ont déjà fait des systèmes de financement participatif aussi, vous allez voir que tout ça là n'est pas disponible. Voilà, dans ce système-là. Donc, quand vous faites le réinvestissement se font toujours chez votre parrain. Et c'est la personne qui est au sommet de l'entreprise, en fait, qui rafle tous les montants. Voilà. Mais ici, à MLM Center, on permet toujours à tout le monde de pouvoir évoluer. Et vu que nous sommes encore au début de cette aventure, parce que nous ne sommes que 4 200 personnes à être inscrites, vous aurez plus vite des débordements. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est devoir demander un lien à la personne qui vous a invité à ce jour et de vous positionner et aider, bon, demander à cette personne-là de pouvoir vous aider à pouvoir évoluer. Il va tout vous donner, toutes les informations. Et vous aurez à évoluer dans ce système-là. Voilà. Donc, nous sommes juste 4 200 personnes et déjà 22 700 $ ont été payés et 1 100 $ ont été fermés. Voilà. Donc, voici la dernière personne qui s'est inscrite, Mathéo, qui est sous cette personne-là. Voilà. Donc, le lundi et puis le mercredi, on fait des Zooms pour pouvoir vous présenter le back-office. Comment ça se présente le back office, comment faire les retraits, comment faire les dépôts, etc. Donc, quand vous allez vous inscrire, vous allez demander à votre parrain de pouvoir vous ajouter au groupe Telegram pour pouvoir suivre les informations. Alors, voici les deux grandes, nous allons parler des deux grandes algorithmes que nous avons sur les MLM. L'algorithme student qui permet en fait à pouvoir faire les réinvestissements sous les filleuls et l'algorithme mentor qui permet de pouvoir faire les réinvestissements sur le parrain, mais sur l'algorithme mentor, le CEO lui-même agit sur l'algorithme étudiant pour pouvoir aider tout le monde à pouvoir réussir dans ce business-là. Donc, avec les deux algorithmes, nous avons trois grandes tables matricielles. Et chaque table matricielle contient cinq matrices. Voilà. Donc, la première grande table matricielle, c'est la table matricielle Luna. Et ici, le pourcentage est de fois 2,5, c'est-à-dire 250%. Voilà. Donc, quand vous investissez 10 $ et vous avez 4 personnes sur votre matrice,
que ce soit vos référencements directs ou vos référencements indirects ou des débordements, vous gagnez en fait 25 dollars. Donc, 10 fois 2, 8, ce qui fait 25. Donc, dans les 25, vous avez 15 dollars de retrait et puis 10 dollars de réinvestissement. Donc, comme je l'avais dit, nous sommes dans le financement participatif. Nous sommes dans le financement participatif et on l'appelle aussi tontine sociale. Et nous savons que la plus grande cause des fermetures des tontines, c'est le fait de pouvoir faire le réinvestissement. C'est-à-dire que quand vous avez eu votre part, au lieu de miser le montant initial ou bien l'investissement de départ pour que les autres filles puissent bénéficier, ça pose souvent des problèmes. Mais ici, à MLM Center, avec cet algorithme-là, quand vous mettez les 10 dollars, quand vous aurez 25 dollars de gain, vous n'êtes même pas autorisé à retirer tous les 25 dollars. Donc, vous êtes juste autorisé à retirer 15 dollars. Et le système prend les 10 dollars et les met automatiquement sous le compte ou bien la matrice, voilà, la matrice de votre filleul ou celui de votre parrain pour pouvoir l'aider aussi à évoluer. Voilà. Donc, sur la matrice de 30 dollars, nous sommes toujours dans la table matricielle Luna, sur la matrice de 30, vous avez 45 dollars de retrait, 30 dollars de réinvestissement. Sur celle de 90, vous avez 135 dollars de retrait, 90 dollars de réinvestissement. Sur celle de 270, 500, 405 dollars de retrait, 270 dollars de réinvestissement. Et sur celle de 810, vous avez 1215 dollars de retrait et puis 810 dollars de réinvestissement. Voilà. Donc, pour un total de 1815 dollars à avoir de manière illimitée. Voilà. La deuxième table matricielle, c'est la table matricielle Terra. Bon, Luna qui veut dire Lune. Donc, Terra qui veut dire Terre. La Terre est un peu plus grande que la Lune. Et ici, c'est le pourcentage, c'est 300%. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans la matrice de 10 dollars, vous avez 300% de votre montant de départ, c'est-à-dire 30 dollars. Mais dans les 30 dollars, le système vous permet de pouvoir retirer 20 dollars et de réinvestir directement, automatiquement 10 dollars pour vous. Voilà. Donc, sur la matrice de 30 dollars, vous avez 60 dollars de retrait, 30 dollars de réinvestissement. Sur la matrice de 90, vous avez 180 dollars de retrait, 90 dollars de réinvestissement. Sur la matrice de 170, vous avez 540 dollars de retrait, 270 dollars de réinvestissement. Et sur la matrice 810, vous avez 1260 dollars de retrait, 810 dollars de réinvestissement. Pour un total de 2420 dollars à avoir de manière illimitée. Sur la table matricielle soliste, ici le pourcentage c'est 350%, c'est-à-dire que vous faites x3. Donc quand vous rentrez sur la matrice de 10 dollars, vous avez 35 dollars de gain. Et dans les 35 dollars, le système vous permet de pouvoir retirer 25 dollars. Et dans les 5, ben, bon, 25 dollars de retrait et puis 10 dollars de réinvestissement. Voilà. Donc, sur la matrice de 30, vous avez 75 dollars de retrait, 30 dollars de réinvestissement. Sur la matrice de 90, vous avez 225 dollars de retrait, 90 dollars de réinvestissement. Sur la matrice de 270, vous avez 675 dollars de retrait, 270 dollars de réinvestissement. Sur la matrice 810, vous avez 2025 dollars de retrait et 810 dollars de réinvestissement. Pour un total de 3025 dollars à avoir de manière illimitée. Donc, comme je l'avais dit, nous avons deux algorithmes et ces deux algorithmes fonctionnent en parallèle. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir développer juste l'algorithme Student ou soit de développer l'algorithme montant. Mais si vous voulez, vous pouvez développer les deux. Ce que moi je fais d'ailleurs. Parce que quand vous développez les deux, les gains, vous aurez en fait à avoir, quand vous aurez à prendre toutes les matrices, vous aurez à avoir 14 520 dollars de manière illimitée. Voilà. Donc, pour permettre à tout le monde de pouvoir évoluer, comme je l'avais dit avant, il n'y avait que l'algorithme Student et après l'algorithme montant a été ajouté. Donc, quand vous venez dans le système, vous débutez avec l'algorithme, pardon, vous débutez avec la Luna. Voilà. Donc, il y avait en temps avec l'algorithme Student, il y avait juste la table matricielle Luna. Donc, avec l'algorithme Mentor, les tables matricielles Terra et Solis ont été ajoutées. Voilà. Donc, pour ne pas pénaliser ceux qui ont débuté au départ, le système nous dit que nous avons, pour les nouveaux entrants, ils vont tous débuter avec la table matricielle Luna. Voilà. Donc, quand un nouveau rentre, il débute sous il va payer la Luna de 10 dollars. Voilà, ici vous pouvez voir la légende.
en vert, c'est acheté, disponible en jaune, et indisponible en noir ou bien gris foncé. Voilà. Donc, quand vous payez la Luna, la carte matricielle Luna, vous pouvez ensuite payer la matrice Luna de 30 dollars et puis la matrice Terra de 10 dollars. Donc, quand vous avez maintenant la matrice Luna de 10 dollars et de Luna 30 dollars, plus la matrice Terra de 10 dollars, vous avez la possibilité de payer la matrice Luna de 90 dollars, la matrice Terra de 30 dollars, puis la matrice Polis de 10 dollars. Voilà. Donc, sur l'étape 4, vous avez la matrice Luna 10, 30 et 90 achetée et la matrice Terra de 10 dollars achetée. Donc, voilà, de là, vous avez la possibilité de pouvoir acheter la matrice Luna de 270, la matrice Terra de 30 et de 90, et puis la matrice Solis ainsi de suite. Donc, tout le monde commence avec la Luna et après, on va sur la Terra et sur la Solis. Donc, vous pouvez, comme vous voulez développer l'algorithme Monzor ou l'algorithme Student, pour soit développer les deux. Pour la méthode de paiement, nous utilisons l'ISDT-IR-7 pour pouvoir faire les transactions. Et vous allez voir que les transactions sont un peu plus rapides. À moins que vous utilisez un échangeur où il faut attendre peut-être 30 secondes à 1 minute pour que le compte ou bien le retrait puisse être actif. Donc, la feuille de route, c'est simple. Nous avons déjà fait la première étape au niveau de MLM Center. Donc, le site web est déjà disponible. Les réseaux sociaux sont déjà disponibles, le soutien. Donc, l'infrastructure, le support disponible 24 sur 24. Le groupe Telegram est là, la page Instagram, là. Voilà, ils sont déjà là, la page aussi, les canaux, les contacts, pardon, les contacts. Et il y a aussi le chatbot. Voilà, pour ceux qui ont débuté sur le premier système, le chatbot, c'était un système où je voulais s'inscrire sur Telegram. Mais c'était un peu difficile pour les personnes qui n'arrivaient pas à pouvoir faire l'inscription. Donc, le système, le CIO a vu, a mis sur pied ce nouveau système-là où nous pouvons nous inscrire avec les emails. Mais je rappelle que tous ceux qui ont été sur le premier système et qui n'ont pas fait de gain ont été remboursés. Voilà, on nous a donné 2 semaines pour pouvoir nous rembourser tout le monde. Mais quand même, il y a eu certaines personnes qui n'ont pas, qui ont négligé, disons, cette annonce-là et qui n'ont pas pu faire de retrait. Mais quand même, on essaie de voir pour tous comment pouvoir retirer encore cette somme-là. Voilà. Donc, la deuxième étape va consister à pouvoir créer un token MLM Center qui est placé sur la blockchain de Tron. Et puis après, à pouvoir avoir notre propre blockchain, voilà. Notre propre crypto-monnaie. MLM Center. Donc, quand vous comprenez en fait tout, comme c'est dit ici, quand vous comprenez tout le système, quand vous comprenez tout le projet, cela vous garantit quand même de pouvoir bien partager l'information et de pouvoir faire des profits. Voilà, donc voici la tokenomics du TRC20. Donc, ça sera une blockchain greffée sur Tron. Le total supply sera de 10 milliards et on aura brûlé jusqu'à 1 milliard de tokens. Voilà, donc. En fait, les 1 milliard de tokens là vont être, sera en fait le revenu de la compagnie. Parce que la MLM Center veut créer une grande communauté. Et quand la communauté sera grande, il pourra maintenant faire des publicités. Parce que disons que nous sommes par exemple 1 million de membres sur MLM Center. Nous avons une très grande communauté. Donc, si une compagnie veut par exemple faire de la publicité, il va venir chez MLM Center, il va faire la publicité sur le site. Voilà, donc nous, les membres, nous allons voir la publicité, que ce soit une publicité de produits, que ce soit une publicité de services. Voilà, il va faire la publicité et nous allons voir la publicité là. Donc, les revenus vont servir à pouvoir acheter des tokens, de nouveaux tokens pour pouvoir les brûler. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie savent quand même quand on brûle un token, le token se fait rare et ça prend un peu plus de la valeur. Voilà. Donc, nous aurons à avoir ce token-là. Et ce token aussi va servir aussi à faire à payer les matrices, voilà, comme d'habitude. Donc, après ça, nous aurons une blockchain. Et cette blockchain-là va permettre en fait à toutes les autres compagnies du MLM de pouvoir utiliser, nous, notre crypto-monnaie pour pouvoir faire des transactions. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons toujours que nous sommes les compagnies de marketing relationnel qui existent, sont toujours dans le fiat. Alors que nous évoluons vers
la digitalisation de la monnaie, donc la crypto-monnaie. Voilà, donc MLM s'est jugé bon de pouvoir créer une crypto MLM pour pouvoir permettre à tous les compagnies de MLM d'utiliser cette crypto-là pour faire leurs activités. Voilà, donc si ce n'est pas les fiat, c'est les bitcoins ou bien les USDT comme nous le faisons. Donc à l'avenir, nous allons avoir ce token-là pour pouvoir, pardon, cette crypto-monnaie pour pouvoir avoir un peu plus de gains aussi. Donc voilà l'opportunité que nous avons présentée. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques questions. Si vous avez des questions, on va les prendre dans 5 minutes. Et après, nous allons passer à la formation, proprement dit. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez activer le micro et puis poser la question ou bien le mettre dans le chat. Alors, des questions? Oui, monsieur Mamadou. Vous pouvez activer votre micro. Cliquez sur un petit micro, l'icône du micro, pour l'activer. Allô, bonsoir. Bonsoir, leader. Oui, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Merci pour l'intervention. Oui, ça va, Je merci vous pour en prie. l'intervention. Oui, il y a une partie que je n'ai pas bien saisie là. OK. Vers la fin, vous parlez, il y a un endroit où vous parlez de remboursement. Je sais pas compris la partie là. Remboursement. Non, pour le remboursement, Oui. c'était sur le premier système. C'est-à-dire que, en fait, MLM Center, le système que nous avons au début, c'était pas, l'inscription ne se faisait pas via email. Ouais, donc, il y avait un bout de Telegram sur lequel nous faisons l'inscription. Donc, vu qu'on voulait changer de serveur, bon, disons de serveur, parce qu'on va passer du boot au site. Donc, le staff a donné 2 semaines à tous ceux qui étaient inscrits via le boot et qui n'avaient pas fait de retrait, qui n'avaient pas fait de gain, de pouvoir retirer leur mise pour pouvoir réinvestir en fait sur le site, quoi. Voilà. Donc, tout le staff a donné 2 semaines à tout le monde pour pouvoir faire le retrait et pouvoir, quand le système via l'inscription via email va se faire, de pouvoir réinvestir. Donc voilà. D'accord, c'est bon. Maintenant, le volet de positionnement, Oui. si je comprends bien, par exemple, si j'ai fait un premier Oui. cyclage, n'est-ce Oui. pas? C'est-à-dire que mon premier filleul, c'est lui qui m'envoie son lien, et puis je me positionne en dessous de lui, ou bien c'est le système qui fait ça de façon Non, le automatique? système, c'est le système qui le fait de façon automatique. Ah, le système. Oui. Ah, En ok. fait, ici, nous avons juste un seul lien. Et ce lien valable pour toutes les matrices. Ouais. Donc, par exemple, si vous êtes déjà sur la matrice Luna, vous n'avez plus donné votre lien à une personne pour s'inscrire sur la matrice Terra. Non, c'est même pas possible. Parce que tout le monde doit débuter par la matrice Luna. Voilà. Donc, vous donnez juste C'est le ça, c'est ça. lien là à votre filleul et il va s'inscrire. Et après, voilà, si vous allez faire un repositionnement, vous allez le faire automatiquement. Vous n'avez plus besoin de vous inscrire. D'accord, je comprends bien. C'est-à-dire que j'ai fait un premier cyclage. Ouais. Maintenant, le repositionnement, c'est le système qui le fait de façon automatique. Moi, je n'ai plus rien à Exact. voir dedans. Exactement. Si je Exactement. comprends bien. C'est Ah, ça. ok. Et après aussi, quand vous aurez à faire un deuxième cyclage, c'est la même chose. Troisième, de manière illimitée. Oui. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Bon, je pense que c'est bon. C'est bon. D'accord. Merci. 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 Alors, d'autres questions? Leader Séraphin, leader Joël. Huawei P30, leader Henri, leader Gragnant, leader Atuala, leader Angèle. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et après, on va passer encore 1 minute, on va passer à la formation. Avec quel Allô, échange? bonsoir, Oui, Leder. bonsoir, comment vous allez? Très bien, merci pour la Ça va? présentation. J'ai bien suivi. Je vous en C'est prie. encourageant, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui comprennent encore l'importance de la formation et de ce webinaire. Bon, Exactement. moi, je voulais juste mettre l'accent sur, je vois qu'il y a beaucoup de sécurité, surtout
J'ai bien compris le système de crowdfunding, nous en avons fait beaucoup. Félicitations d'abord au propriétaire de la société, au CEO. Nous sommes Exactement. de cœur avec lui. Nous espérons que nous allons attirer un système durable. OK. Bon, moi, je voulais que je comprenne un peu sur ce qu'ils ont dit, qu'ils vont commencer à donner la formation. Cette formation se passera comment? Juste dans la salle Zoom comme ça, ou bien va se passer autrement. Ben, sur le back-office, on va mettre certaines notions pour cette formation-là. C'est ma première préoccupation. D'accord, bon, je vais répondre en même temps et comme ça vous allez donner la vidéo. Donc, les formations vont se faire sous le Zoom, comme ce soir. Donc, on va faire une première partie, présentation d'opportunités, et la deuxième partie sera la formation. Voilà, pour permettre à ceux qui ne comprennent pas encore le système de pouvoir s'imprégner. Et après, on fait une formation pour pouvoir aider tout le monde à pouvoir évoluer. Voilà, donc ça sera sur Zoom. Ah, OK. Ça va, mais je passe. OK, ça va? Si c'est sur Zoom, comme ça, on peut commencer à inviter Sinéchal pour Voilà, venir exactement. suivre. Exactement. Bon, pour le projet de token, le token aura. Allô? Vous êtes toujours avec nous, leader Séraphin? Je pense qu'il y a un souci à son niveau. Là. Ouais, c'est vraiment un souci de connexion. Ouais, parce que ça s'entrecoupe là. Il est là? Allô? Ok, d'accord, c'est bon. Il est revenu. Oui. Je suis là. Je disais, quand est-ce qu'on va lancer le token? Bon, pour l'instant, c'est sur, disons qu'on doit avoir une bonne communauté avant de pouvoir lancer le token. Que si on lance le token actuellement, on est juste 4 200 personnes. Ça va pas vraiment fonctionner. Du moins un peu, non. Voilà. Donc, quand il s'agit de crypto-monnaie, s'il n'y a pas une bonne communauté, voilà, ça fait un flop quand même. Si le projet est solide, il faut une bonne communauté pour que les gens puissent adopter cette crypto-monnaie-là. Voilà. Donc, vu qu'on n'a pas encore une grosse communauté, je pense que d'ici quand même 1 an, bon, je sais pas, hein, il faut quand même, après on va demander au CEO, mais je suis sûr quand même qu'il y a, quand il y aura une bonne communauté, les cryptos, les tokens vont être sur pied. Et peut-être d'ici 1 an, 2 ans, on aura aussi la blockchain. Voilà, parce que là, pour la blockchain, les tokens, c'est un peu plus facile à concevoir, mais la blockchain, c'est un peu plus difficile. Donc, ça prend un peu de temps. OK. Eh bien, est-ce que la société pense avoir des bureaux dans des régions ou dans des villes ou comment? Bon, pour l'instant, tout se fait en ligne, mais bon, il y a des gens quand même qui aiment ce qui est physique. Donc après, bon, on va réfléchir, voir comment ça va se passer. Parce que n'oublions pas que quand c'est physique, il faut aussi payer pour le local, payer la connexion, l'électricité, voilà, il y a des frais. Voilà, donc bon, si un leader pense pouvoir le faire lui-même, n'est pas ici, peut-être à la longue, la société aura à pouvoir l'aider aussi. Mais bon, pour l'instant, on est juste en ligne. On va gérer le business en ligne et après, on va voir comment ça va se positionner. OK. Bon, merci beaucoup parce que nous voulons développer ce crowdfunding avec des groupes d'étudiants dans des universités, des clubs de football, choses comme ça. C'est pourquoi nous voulons vraiment avoir des précisions, parler exactement du vrai projet comme ça se doit. Moi, je pourrais vous revenir aussi de temps en temps à une box pour avoir des informations. Sinon, merci. Vraiment, nous D'accord, il n'y sommes a de pas de cœur avec souci. vous. D'accord. Donc, si vous êtes dans le De groupe la République Telegram, démocratique du vous Congo. pouvez me contacter sur mon Telegram. Bon, ceux qui le veulent, je C'est vais mettre mon le leader contact. Pardon? le leader qu'on a. Non, le leader Charlemagne. Bon, Carolus Manus dans le groupe Telegram. Je vais quand même laisser mon numéro de télé WhatsApp dans le chat.
Pour ceux qui veulent me Ok, contacter, merci il n'y a beaucoup. pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Oui, Lida, j'ai une question. Oui. Bon, Ouais, après, on a d'abord, dernière je vais info. revenir un peu sur ce qu'il a dit tout à l'heure concernant la prise de bureau. Oui. Et il faut qu'il sache que le monde, nous sommes dans un monde qui est en train d'évoluer. Hein. Voilà, tout a Exactement. tendance à être dématérialisé. Voilà, Et nous sommes en train de décentralisé. venir aujourd'hui. Le monde se digitalise de plus en plus et ça facilite aussi les choses. Et je Exactement. pense que c'est mieux. Même au cours d'un voyage, même une fois qu'on a la connexion, étant même dans le cas même, on peut travailler et puis se faire de l'argent. Ouais. Maintenant, pourquoi aller Non, forcément prendre une électricité? Ça, c'est l'ancien système. non, D'accord, c'était ce juste n'est pas question un de complément. moi. Hein. Voilà, c'était juste un Non, ce complément. n'est pas que Maintenant, moi aussi je suis trop bureau. allô, allô? Ce n'est pas qu'on est aussi seulement trop bureau. Mais ce sont des Ok. questions qu'on peut Non, savoir. je crois, Exactement. c'était juste un additif. Voilà, maintenant, je veux savoir, est-ce que, je ne sais pas si le projet est en cours, mais jusqu'à présent, MLNCT n'a pas d'application, c'est ça, non? Oui, non, on n'a pas d'application. Tout se fait sur le site web. Pardon? Tout se fait sur le site web. On n'a pas d'application. Ah, ok, d'accord. Juste à avoir cette précision, ok. Il n'y a pas d'application. Donc, faites attention. Si quelqu'un vous propose une application, MLNCT, pour savoir qu'il veut vous scanner, voilà, il veut vous arnaquer. D'accord, ok, ça Voilà. marche. Et aussi, pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, il y a Oui. un arnaqueur là qui rôde. Bon, on essaie de le localiser, mais pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Il a déjà arnaqué deux personnes. Il leur dit de pouvoir avoir leur API, à pouvoir activer leur matrice. Donc, soyez vigilants et à vos filleuls, partir dans le D'accord. message quand ils vont venir dans le groupe Telegram, de ne pas toujours à répondre à ceux qui viennent en privé chez eux pour leur parler de leur centre. Voilà, donc tout se fait dans le groupe. D'accord. Voilà, donc s'ils ont des questions, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le groupe. Voilà, vous contactez directement les admins du groupe. Pas ceux qui vont vous dire qu'ils sont admins alors qu'ils ne sont même pas dans le groupe. Voilà, il y a 6 admins dans le groupe. Vous pouvez les contacter s'il y a des questions, des préoccupations. Je suis là aussi, voici mon numéro. Si vous avez des questions, des préoccupations, voilà, nous sommes là. Et référez-vous à vos parents aussi. Voilà. Ok. Je vous en prie. Ça marche. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, bon, on va passer à la formation. Il est un peu tard au niveau de l'Inde, mais bon. C'est Le ça. leader, le CEO de Leader Impression est là pour nous. Donc, on va l'accueillir pour pouvoir faire la formation. Bon, désolé. Je déplore qu'il y a juste 11 personnes qui sont actives jusqu'à l'heure. Mais bon, les personnes intéressées sont là, donc on va y aller. On va retenir ça. Exactement. Ouais. Hello, sir. Yes. Okay, good. Yeah, thank you so much. Thank you so much to all of you. You come to Zoom and understand this beautiful opportunity of MLM Center. Donc, merci à tous pour votre présence sur le Zoom. Vous êtes venus pour pouvoir avoir les informations sur la MLM Center. Yeah, Mr. Carlos, I think that's enough for today because it's approx 1 hour. OK. So. And we will share very important tools to increase your business and team on Monday OK. Zoom. And Rendez-vous. yeah, Monday Zoom, we will share very important tools to increase your team. OK. And I think so. It's my humble request to invite maximum people, maximum guests for Monday. Ok, d'accord. Donc, bon, il nous dit en fait que nous avons un peu plus de temps, que nous allons parler de la formation, proprement dit, le lundi, pour le jour de lundi. Ça sera consacré uniquement à la formation. Parce qu'aujourd'hui, il est un peu tard chez lui. Voilà, il doit être 1h30, je pense, 2h même. Voilà. Kamisha, ok, good. So much. Thank you so much for your time and for your presence. Thank you so much, all of you. Thank you so much. Love you all. God bless you. Donc, merci à tous. Désolé, on a pris un peu plus de temps. Donc, il est un peu tard chez lui. Donc, on va faire la formation le lundi. Vu qu'il n'y a pas eu assez de membres aussi, on a commencé un peu plus tard. Donc, le lundi à 19h00, soyez connectés, venez à l'heure.
et demander à tous les refuseurs de pouvoir se connecter. Voilà, merci et puis bonne soirée à vous.